Donc là, on va parler maintenant du deuxième topo. Et donc, je vais vous parler des ventilateurs, mais surtout des modes ventilatoires, avec notamment les indications de ces modes ventilatoires, quand est-ce qu'utiliser un mode plutôt qu'un autre, et pourquoi ce mode pour tel type de patient. Et puis, on verra ensemble les réglages qu'il faut mettre en place au niveau de la machine, du respirateur. Et quelques mots sur le monitorage également. Alors, je vais dire certaines choses qui ont déjà été abordées par Jean-Michel Constantin. On va un petit peu voir un peu plus les choses au niveau vraiment au lit du patient en pragmatique sur les paramètres que vous devez relever à tous vos tours infirmiers, toutes les 3 heures, 4 heures ou toutes les 6 heures en fonction de vos patients et de vos services. Et puis, on va essayer d'appliquer avec des petites vignettes cliniques en fonction du type de patient que l'on a. Alors d'abord un petit peu d'histoire, juste pour remettre les choses en perspective et les choses dans leur contexte. Donc voilà ce qu'on avait au 19e siècle. On avait ces machines un petit peu barbares qui peuvent paraître un petit peu bizarres. C'est le spiroscope par exemple ou encore le spirophore à droite, qui étaient des machines qui étaient définies par la mise en place d'une pression négative. Donc c'était des enceintes dans lesquelles on mettait soit un organe vraiment à titre expérimental ou alors un patient. À titre là, pour le coup, moins expérimental. Et on faisait le vide avec cette pompe que vous voyez sur la lettre C. Et cette pompe à vide permettait de mettre en place une pression négative dans cette enceinte et de déformer la cage thoracique pour provoquer, en fait, une inspiration. Et cette ventilation à pression négative, finalement, même si elle a l'air un petit peu barbare comme ça, elle est probablement plus physiologique que celle que l'on applique aujourd'hui au chevet de nos patients, à savoir la ventilation à pression positive. Et puis, début du XXe siècle, en 1906 par exemple, on a ce modèle, le pulmotor de Dräger, l'un des premiers vraiment prototypes de respirateur qui, là, pour le coup, servait à ventiler les patients en pression positive, avec une petite molette qui servait de réglage et qui permettait de fixer un certain volume courant et une certaine pression. Donc ça, c'était une innovation et on avait donc deux types d'appareils qui cohabitaient en même temps, à la même époque, des appareils en pression négative, des appareils en pression positive. Après, retour à la pression négative dans les années 30, avec cette épidémie de poliomyélite, ces photographies extrêmement impressionnantes, on voit, ça nous rappelle un petit peu hein, l'épidémie de Covid-19 dans d'autres circonstances, mais c'est ces salles communes où s'entassaient les patients qui ne pouvaient plus respirer parce qu'ils avaient une attente nerveuse, neurologique centrale, donc ils ne pouvaient plus commander les muscles respiratoires et donc ils étaient en apnée ou en tout cas ils étaient en hypoventilation alvéolaire sévère. On les plaçait dans ces poumons d'acier et là, pareil, avec une pression négative, on déformait cette cage thoracique pour permettre la ventilation mécanique. Et puis un peu plus tard, dans les années 40, dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, on retourne à un modèle, cette fois-ci développé en anesthésie permet de ventiler artificiellement, mécaniquement et de manière invasive les patients sous anesthésie générale, avec le développement parallèle des médicaments, de l'anesthésie générale, des sédations, des curares. On a pu retourner à des modèles de ventilateurs plus perfectionnés, comme l'Engström 150 à gauche en 1954, ou encore ce Servo 900C de Siemens à droite, qui est le premier appareil sur lequel on pouvait régler une molette pour mettre une pression expiratoire positive. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur ces appareils-là et vous travaillez probablement tous avec ce type d'appareils qui sont des stations de ventilation artificielle de marques différentes, de modèles différents. Et avec les progrès technologiques et électroniques, on peut maintenant miniaturiser ces systèmes et on peut avoir des modèles comme le modèle de droite qui est un modèle de respirateur de transport qui permet de transporter vos patients qui est vraiment tout petit avec des performances qui sont parfois quasiment les mêmes que celles que l'on peut observer sur les respirateurs de réanimation. Ce qu'il faut se rappeler, et Jean-Michel Constantin vous l'a bien dit sur son topo, c'est que cette ventilation artificielle en pression positive, elle est complètement non physiologique. Donc, je vous rappelle ces courbes de pression et de débit que vous allez voir plusieurs fois au cours de la matinée, mais qui sont probablement capitales à comprendre. Ce qui est sûr, c'est que quand on ventile en pression négative en ventilation spontanée, comme vous et moi
dans cette pièce, Sortir eh sa langue bien, et arriver vous avez avant. cette. Vous avez, est-ce Oui, que, Jonathan, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? sur cette partie-là, pas longtemps. J'ai eu tellement d'incertitudes pour Est-ce que répondre vous à voyez la courbe à gauche, c'est la courbe donc de pression en ventilation spontanée. Donc quand on ventile en ventilation spontanée, eh bien vous avez une oscillation de cette pression autour de la ligne de zéro. Pendant la phase aspiratoire, vous avez une pression négative, et pendant l'expiration, qui est une phase passive, vous avez une pression positive. Donc vous allez osciller entre la pression positive et la pression négative, c'est la ventilation pression négative en spontané. Et puis à droite, le diagramme de droite, Jean-Michel Constantin vous l'a déjà montré, c'est la courbe de pression en fonction du temps sur les ventilateurs en ventilation en pression. Et vous voyez que la grande différence entre les deux courbes, c'est qu'à droite, vous avez uniquement une pression en permanence qui est positive. Donc ça, c'est pour ça que c'est pas du tout physiologique, hein. On a un système cardiovasculaire, on a un système respiratoire qui est fait pour ventiler en pression négative. Et là, on impose au patient cette pression positive durant 100% du cycle respiratoire. Là, c'est exactement la même chose. En pointillé, vous avez les courbes de pression en haut en fonction du temps, et en bas, en pointillé, les courbes de débit en fonction du temps. Quand on est en ventilation spontanée physiologique, vous voyez encore une fois que cette pression négative, elle va générer un débit entrant d'air de l'extérieur vers l'intérieur du patient avec un débit qui est décélérant. Ça, c'est la physiologie normale. Et en courbe pleine, vous avez ce qui se passe quand on intube un patient ou quand on le ventile avec même une ventilation non invasive en pression positive. On va avoir une pression positive cette fois-ci qui, elle, va générer avec le piston du respirateur ou la turbine du respirateur une pression positive qui, elle, génère un débit entrant de l'extérieur vers l'intérieur du patient. Et ce débit, en l'occurrence, sur ce mode-là, qui est un mode probablement ventilation assistée contrôlée, bien ce débit, il est constant, il est en créneau, il est rectangulaire. Alors, je vais vous parler ce matin uniquement des modes conventionnels parce qu'on est contraint dans le format en termes de temps, mais sachez que au-delà des modes conventionnels en volume et en pression, il y a d'autres modes asservis complexes comme la pression, la ventilation assistée proportionnelle ou encore la NAVA, qui sont des modes qui peuvent asservir le ventilateur sur des paramètres physiologiques que l'on peut colliger chez le patient avec des capteurs sensoriels. Donc ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Et puis, la troisième partie, c'est les modes non conventionnels, les modes à haute fréquence, comme la jet ventilation, l'HFO, la ventilation à haute fréquence oscillation ou la ventilation percussive. Ces modes ventilatoires ne seront pas abordés aujourd'hui. Maintenant, on va passer au tableau de bord. Vous le connaissez par cœur, mais il faut quand même bien rappeler comment repérer les éléments essentiels sur l'écran de votre ventilateur. Ils sont à peu près faits tous de la même manière. L'ordre peut être un petit peu différent. Les couleurs, les codes couleurs, les alarmes peuvent être évidemment un petit peu différentes en fonction du type de respirateur et surtout de marque que vous utilisez. Néanmoins, vous avez toujours un endroit où vous allez retrouver le nom du mode ventilatoire. Ça, il faut connaître où est-ce que vous avez le mode ventilatoire pour votre patient à intenter. C'est important que vous ayez la connaissance de ça. Deuxième panneau important, c'est l'encart rouge. Ce sont les paramètres réglés. Là, c'est ce qu'on a prescrit, ce que le médecin a prescrit, ce que l'interne ou le senior a prescrit, et ce que le médecin ou vous avez réglé sur le respirateur. Vous imposez au respirateur de délivrer ces paramètres consignes. La fréquence, la PEP, la FiO2, la pression ou encore le volume. Et puis le panneau violet, eh bien là, ce sont les paramètres qui sont monitorés, qui sont vraiment mesurés et qui sont donc captés par les capteurs du ventilateur. Ça, c'est important que vous, au quotidien, plusieurs fois par jour, peut-être pendant vos tours paramédicaux, toutes les 3 heures, 4 heures, 6 heures, en fonction des prescriptions médicales, c'est important que vous contrôliez le delta, l'écart entre ces paramètres qui sont monitorés par le respirateur et les paramètres qui sont prescrits et donc réglés. Alors voilà les courbes de pression et de débit et de volume en fonction du temps, avec à gauche un mode en volume et à droite un mode barométrique. Cet encart violet vous montre les courbes pression et débit en fonction du temps sur la phase inspiratoire. Vous voyez que la pression est positive, encore une fois. Il y a un pic de pression avec la pression de crête, la pression de plateau, comme vient de vous l'expliquer Jean-Michel Constantin, sur le mode
ventilation en volume. À droite, vous avez plutôt une pression constante, carrée, en créneau, sur un mode en pression. Le débit à gauche, il est plutôt constant, il est en créneau. Et à droite, sur le mode barométrique en pression, ce débit sera décélérant, qui permet d'assurer une pression constante lors de la phase inspiratoire. Et puis en rouge, vous entourez la phase expiratoire, qui elle est une phase passive, qui ressemble exactement comme deux gouttes d'eau dans les deux situations, que vous soyez en ventilation en mode volume à gauche versus une ventilation en mode pression à droite. Alors maintenant, on va voir les différents modes ventilatoires. On va quasiment tous les voir les uns après les autres. Surtout, mon rôle, c'est de vous donner des clés de lecture pour essayer de faire en sorte que vous y retrouviez toutes les dénominations et que vous puissiez les classer très très facilement. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça finalement. La première clé de lecture qui est essentielle pour vous, c'est de savoir si vous êtes en mode volume ou en mode pression. Quand vous êtes en mode volume, on parle de mode volumétrique. Vous allez programmer un volume, c'est votre valeur consigne sur le respirateur. Quand vous êtes en mode pression, à droite, c'est un mode barométrique. Ce que vous allez rentrer dans la machine, ce que vous allez imposer au patient, eh bien, c'est une pression. Vous avez des modes mixtes qui vous imposent de régler à la fois un volume et à la fois une pression. Ça, c'est la première clé de lecture. La deuxième clé de lecture, c'est le degré d'assistance que vous permettez au patient, c'est-à-dire la capacité au ventilateur de détecter quand le patient respire et d'ouvrir sa valve inspiratoire pour laisser le patient respirer, de délivrer la valeur consigne. Ça, c'est le degré d'assistance. Et donc, soit vous assistez énormément votre patient et donc il est quasiment pas autonome et donc tout est imposé par le respirateur. C'est le respirateur qui commande et ça, on parle de mode contrôlé, c'est en haut du diagramme. Soit vous êtes en mode très peu assisté, donc très autonomisant, très autonome. C'est le patient qui respire quasiment tout seul et là, on est en mode assisté, voire spontané. Une fois que vous avez compris ces deux clés de lecture, est-ce que je suis en volume ou en pression, est-ce que je suis très assisté ou très contrôlé, vous pouvez tous les mélanger, tous les combiner à des degrés divers, vous allez retomber sur tous les modes ventilatoires déclinés. Alors on repart sur les courbes, on va d'abord s'intéresser au mode volumétrique. Donc là, je suis dans un mode dans lequel je dois rentrer la valeur consigne qui est un volume. Le volume courant est donc fixé, il est assuré, il est garanti. C'est moi qui le prescris et il est réglé soit par le médecin, soit par l'infirmier au lit du patient. Le débit de ce mode-là est donc carré, il est en créneau, on parle encore de débit constant. Vous voyez que donc la résultante dans ce mode-là, c'est la pression des voies aériennes. Et donc comme toute résultante, je ne la contrôle pas. Je ne la maîtrise pas complètement. Donc il va falloir que je la surveille, il va falloir que je la monitore, je vais faire attention aux pressions de crête, aux pressions de plateau, aux pressions motrices, il va falloir que je vérifie leurs valeurs et que j'agisse si les valeurs sont en dehors de la normale. Et à droite, je suis en mode barométrique. Dans le mode barométrique, c'est par exemple la pression contrôle, la pression assistée contrôlée ou encore la VSL. Dans ce mode-là, je vais rentrer le paramètre à régler, c'est la pression ou la pressurisation ou l'aide inspiratoire. Mais c'est une pression que je rentre sur le réglage du respirateur. La pression est donc fixée. Elle est prescrite et elle est réglée. Le débit est décélérant et là, vous comprenez que c'est l'inverse par rapport au mode volume. La résultante, ça va être en fonction de la compliance du patient, en fonction du drive respiratoire, ça va être les volumes courants. Les volumes générés sont des résultants, donc je vais devoir pareil les surveiller, les monitorer et agir en fonction de ces valeurs. Encore une fois, je vous remontre les courbes à gauche, pression volume et débit en fonction du temps, pression en fonction du temps haut et débit en fonction du temps sur le mode volumétrique à gauche de la figure, sur un mode barométrique en pression à droite de la figure. Encore une fois, à gauche, sur un mode volume, qu'est-ce que je règle? C'est le volume, la fréquence, le I sur E, et je vais surveiller les pressions, pression de crête, pression d'équilibre, pression de plateau. À droite, sur le mode barométrique en pression, je vais régler ma pression, ma fréquence, mon I sur E, et je vais surveiller mes résultantes, à savoir notamment le volume courant généré par mon patient en fonction de sa situation clinique. Deuxième clé de lecture, je vous ai parlé, le degré d'assistance. Alors on peut se poser la question, pourquoi les ingénieurs, en travaillant avec les médecins, les réanimateurs, pourquoi ils ont décidé de mettre en place
un certain degré d'assistance. Bah, le but, c'est d'écouter le patient. D'écouter le patient, de détecter quand il veut respirer, et quand il veut respirer, de le laisser respirer. Donc de mettre en place des possibilités physiques de détecter cette respiration spontanée et d'imposer l'ouverture de la valve inspiratoire afin que le respirateur délivre le paramètre qui est réglé par le clinicien. C'est ça le but de l'assistance, de l'adéquation à la commande ventilatoire du patient. Les objectifs, c'est de diminuer la dyspnée, d'augmenter le confort du patient et d'alléger la sédation, voire d'arrêter la sédation chez un patient vigile qui peut tolérer son tube, qui peut tolérer son respirateur s'il est bien adapté à son ventilateur. Donc grâce à ces modes assistés, on peut avoir des patients réveillés qui déclenchent et qui restent, malgré le réveil, complètement adaptés de manière harmonieuse à leur respirateur. Deuxième objectif, c'est maintenir l'activité musculaire. De quels muscles? Des muscles respiratoires principaux, hein, ça c'est l'essentiel, c'est le diaphragme, bien sûr, mais également les muscles intercostaux et les muscles abdominaux. Lorsque vous assistez votre patient, lorsque vous l'écoutez respirer, lorsque le respirateur se plie un petit peu à la respiration spontanée du patient et le laisse ventiler, bah, le patient va remobiliser ses forces musculaires. Il va réactiver sa tonicité musculaire, muscler le diaphragme, les intercostaux, les abdominaux. Et ça, on va voir, c'est le troisième point. C'est très important pour sortir de réanimation, pour être déventilé, pour être sevré du ventilateur. Donc, le troisième élément, c'est réduire le délai de sevrage de la ventilation artificielle. Et derrière, on sait que c'est diminuer la mortalité, sortir plus tôt de réanimation et donc plus tôt de l'hôpital. Comment faire maintenant? Il y a différentes manières de faire. Mais en tout cas, il faut trouver un moyen biophysique, technologique, d'ingénierie biomédicale qui permette au ventilateur de détecter que le patient respire. Il y a deux manières de faire. On appelle ça le trigger. Le trigger en anglais, ça veut dire gâchette. Donc c'est la notion de seuil de détection. Soit on détecte la pression que génère le patient. Sur cette figure, vous voyez la courbe verte avec le crochetage de la courbe verte qui vous indique que le patient commence à déclencher son respirateur. Il génère par un effort musculaire une dépression inspiratoire. Donc la première manière de faire, c'est de mettre en place un dispositif au niveau du respirateur qui va détecter cette dépression générée par le patient. Et quand on est au-delà d'un certain seuil de dépression spontanée par le patient, la valve inspiratoire va s'ouvrir pour délivrer soit la pression, soit le volume, si on a moins de volume. La deuxième manière de faire, c'est le trigger en débit, ce qu'on appelle le flow by. Le trigger en débit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en permanence, le respirateur va balayer entre la valve inspiratoire et la valve expiratoire un débit constant. Lorsque le débit expiratoire capté par le respirateur est égal au débit inspiratoire, ça veut dire que le patient ne ventile pas, il ne déclenche pas. Si mon patient est réveillé, que je le réveille, qu'il est décœurisé, désédaté, et qu'il déclenche, eh bien, à un moment, mon débit expiratoire va être inférieur au débit inspiratoire. Ça voudra être le signe que le patient génère lui-même un flux autonome, un débit autonome entrant dans ses poumons. Et au-delà d'un certain seuil de cette différentielle de débit, eh bien, la valve inspiratoire va s'ouvrir et je vais pouvoir délivrer la valeur consigne, que ce soit le volume, par exemple volume courant, si je suis en mode volume, ou la pression, si je suis en mode pression. On conseille, on recommande toujours de travailler en trigger en débit plutôt qu'en trigger en pression parce qu'il est de meilleure performance en termes de synchronisation, en termes d'harmonie entre le respirateur et le patient. Alors attention au trigger inspiratoire, si vous le mettez trop sensible, vous pouvez avoir des déclenchements non voulus, qui sont ce qu'on appelle des asynchronies, qui peuvent avoir des impacts forts cliniquement pour le patient. Et le deuxième risque, c'est s'il est trop dur, le trigger, trop peu sensible, eh bien, il peut y avoir des efforts du patient qui ne sont pas récompensés. Ça, c'est un autre type d'asynchronie qui peuvent être délétères pour le patient. Donc, si je résume mes deux clés de lecture, la première question à vous poser pour vous y retrouver dans les modes ventilatoires, c'est un, quel est le paramètre que je règle? Quel est le paramètre que je règle? Quel est le paramètre que j'impose à la machine et que j'impose au patient? Est-ce que c'est le volume? Si c'est le volume, je suis sur un mode en volume, et donc c'est le volume contrôlé, ventilation assistée contrôlée, VAC, VACI, ou encore la ventilation spontanée quand on est au bout de la désédation. Si je suis en mode barométrique et que c'est la pression que je rentre dans le patient, ben je vais avoir des modes de type pression contrôle, pression assistée contrôlée, BiPAP, aide inspiratoire jusqu'à la ventilation spontanée. Deuxième clé de lecture, l'assistance. Ben là encore une fois,
Plus je suis assisté, plus je suis autonome, plus je suis en bas à droite de la figure, vers la ventilation spontanée. Moins je suis autonome, plus je suis contrôlé, plus je suis en haut à gauche de la figure, en ventilation contrôle et en pression contrôle. Vous pouvez ainsi classer tous vos modes ventilatoires. Mode ventilation contrôlée, c'est un mode ventilatoire en volume, complètement contrôlé, avec zéro autonomie du patient. C'est un mode qui n'existe plus, d'ailleurs maintenant. Si vous faites le symétrique barométrique, et bien vous allez tomber sur le mode pression contrôle. Si je suis un peu plus assisté, je vais être en mode VAC, VACI, avec leur symétrique barométrique, PACI, BIPAP et d'autres dérivés. La VS7, c'est donc un mode très 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 autonomisé, qui est un mode barométrique sur lequel j'impose une pression consigne. Ça, c'est juste pour vous montrer que attention au nom des modes ventilatoires. Vous allez peut-être un peu perdu en fonction du type de respirateur et de la marque de votre respirateur. Sachez que les brevets sont déposés et chaque fabricant dépose un nouveau nom. Et en fait, on parle tous du même mode ventilatoire. Il faut juste un petit peu regarder la fiche technique de vos ventilateurs pour bien vous y retrouver et connaître un peu la conversion de leurs noms commerciaux versus le nom réel du mode ventilatoire. L'autre chose, le message de cette diapositive, c'est de vous dire que, bah, faut pas paniquer sur les différents modes ventilatoires. Parce qu'en fait, il n'y en a que trois qui sont les plus utilisés. Dans cette étude-là, qui commence à dater, en hein, 2002, probablement que ça ne serait pas tellement différent aujourd'hui. Vous voyez que très très loin en tête, 60-70% des patients sont ventilés en mode ventilation assistée contrôlée. C'est le mode que vous devez connaître sur le bout des doigts. Celui-là, vous devez vraiment le connaître très très bien dans tous ces réglages. On va le voir ensemble. Et puis après, loin derrière, vous avez un petit peu de ventilation assistée, vous avez un petit peu de VSED, vous avez un petit peu de ventilation de pression contrôle et de ventilation à deux niveaux de pression, mais vous voyez que c'est très très loin derrière, ça concerne à peu près 15-20% des patients. Alors, deuxième partie du topo, on va voir maintenant ce qu'on doit régler en fonction du mode ventilatoire. Alors, on va voir le mode ventilation contrôlée. Je vous ai dit que ce mode-là, finalement, il n'existait plus. Enfin, ils sont tous avec une possibilité de trigger inspiratoire. Néanmoins, sur le plan didactique, c'est intéressant de voir quand même ce qu'on avait réglé sur ce mode-là. Donc, le mode ventilation contrôlée, on est bien dans un mode volume, complètement contrôlé. Donc, je dois régler la fréquence respiratoire, le volume courant, bien sûr, le rapport SUE, la FiO2 et la pression expiratoire positive en fonction de la clinique de mon patient. Le symétrique de ce mode-là, en mode contrôlé, mais en mode pression, bah c'est le mode PC, pression contrôle, où là je règle tout pareil, sauf que le paramètre réglé principal, c'est pas le volume, puisqu'on est dans un mode volume, dans un mode pression, c'est la pression consigne, et de la même manière, la fréquence, le I sur E, la FiO2 et la pression expiratoire positive. On avance d'un cran dans l'assistance, je vais dans le mode ventilation assistée contrôlée, le synonyme c'est VVC, pour ventilation volume contrôle. Dans ce mode-là, je règle tout pareil qu'en VC, sauf qu'en plus du volume contrôlé et tous les autres paramètres, j'ajoute une notion de trigger inspiratoire. On verra comment on le règle. Le symétrique barométrique de la VAC, bah c'est la PAC, pression assistée contrôlée, qui peut avoir d'autres noms en fonction de la marque de votre ventilateur. Là, je règle exactement pareil qu'en mode pression contrôle, sauf qu'en plus, je dois ajouter une notion de trigger inspiratoire qui me permet de mettre une certaine sensibilité pour détecter les efforts spontanés du patient. Troisième mode qu'on voit ensemble, c'est le mode VSED. Là-dessus, vous avez cinq paramètres au moins à régler. Vous avez la pente inspiratoire qu'on verra tout à l'heure, le trigger inspiratoire, le niveau d'aide inspiratoire, qui est cette pression que vous devez régler. Un paramètre de cyclage qui permet d'arrêter l'inspiration et de débuter l'expiration. Et puis la pression expiratoire positive. Deux modes qu'on utilise très très peu, c'est le mode VACI ou PACI pour le mode barométrique. C'est un mode mixte où à la fois je dois régler un volume, un trigger, mais également une pression. Mon patient va ventiler en VAC avec une certaine fréquence respiratoire minimale et entre les cycles de VAC, vous voyez cette sinusoïde bleue, eh bien, le patient va pouvoir déclencher des modes autonomes que je peux régler en VSED, par exemple. Donc, c'est un mode hybride où on a mélangé la VSED avec le mode VAC. Le mode PACI, c'est exactement pareil que ventilation assistée contrôlée intermittent, sauf qu'on est en mode pression.
Donc je règle tout pareil qu'en vacuum, sauf que je remplace mon volume courant par une pression consigne. La ventilation a deux niveaux de pression maintenant, qui a plusieurs noms, on va le voir, BiPAP, B-level ou APRV. C'est un mode hybride dans lequel en fait on mélange à la fois la ventilation spontanée et une sorte de ventilation pression contrôle. Ça vous donne cette courbe avec la possibilité au patient de ventiler à n'importe quel moment du cycle. Et ça, c'est l'originalité de ce cycle, de ce mode ventilatoire BiPAP. Les valves inspiratoires-expiratoires restent en permanence ouvertes. Ça, c'est un tour de force technologique. Mais en tout cas, votre patient, que ce soit pendant la pression haute ou la pression basse, il peut ventiler spontanément. Je vous parlais des titres, un petit peu des mots différents pour les noms de ce mode ventilatoire-là. Ben ça, c'est la BiPAP est un excellent exemple. Vous avez plusieurs noms pour ce même mode. On peut appeler ça l'APRV, bilevel, bivent, duopa, bilevel, ou encore APRV biphasique. On parle de la même chose. Simplement, ce sont des brevets différents déposés par différents constructeurs. Voilà une courbe de ventilateur d'un patient en BiPAP. Vous voyez que vous avez un certain laps de temps, qui est le temps haut, durant lequel vous appliquez une pression haute. C'est la pression consigne. Et là, vous avez un laps de temps beaucoup plus court que le temps haut, qu'on appelle le temps bas, qui est le temps pendant lequel vous appliquez une pression basse, qu'on pourrait comparer à une pression expiratoire positive, par exemple. Et vous voyez que ça, c'est les cycles ventilatoires du patient qui peut déclencher des ventilations spontanées à tout moment, durant le temps haut ou durant le temps bas. Vous avez la possibilité d'assister en mode VSED les cycles déclenchés par le patient pendant le temps haut, pendant le temps bas. Dans ces cas-là, vous aurez en plus un niveau d'aide inspiratoire à régler. Ça, c'est un vrai écran de ventilateur en mode APRV, avec encore une fois tous ces petits crochetages de la courbe qui en fait vous représentent les cycles ventilés spontanément par le patient. Donc là, dans ce mode-là, vous voyez que vous réglez la FiO2, la pente inspiratoire, la pression consigne haute, la pression consigne basse, le temps haut et le temps bas. Là, vous avez tout ce qu'il faut régler sur ce type de mode ventilatoire. Maintenant, les indications. Alors, on l'a dit au début, le VC, PC, ça n'existe plus. Donc, il n'y a plus d'indications sur ces modes qui sont complètement contrôlés. Ça ne se fait plus. Par contre, la VAC, on l'avait vu tout à l'heure, c'est 70% à 80% de nos patients qui passeront par ce mode-là. Que ça soit une sédation profonde, une sédation légère ou à pas de sédation à la rigueur, quel que soit le niveau d'hypoxémie, quelle que soit la pathologie respiratoire de vos patients, vous pouvez utiliser la ventilation assistée contrôlée. Pareil pour la pression assistée contrôlée, c'est une question d'école, on va dire. Il n'y a pas de papier qui ait très clairement démontré qu'il fallait plutôt ventiler en volume plutôt qu'en pression. Pas d'avantage clairement établi, on peut faire les deux. Après, VACI, PACI, je vous en avais parlé tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'indication pour ces modes-là. Ce sont des modes qu'on a sur les ventilateurs, qu'on peut utiliser, probablement intermédiaire entre un mode VAC ou un mode spontané type VSED. On ne sait pas très bien quand les utiliser et les papiers, la littérature scientifique là-dessus ne nous dit pas quand il faut les utiliser et quand est-ce qu'on a un avantage à les utiliser. Le mode VSED, en revanche, on sait que c'est comme ça qu'on sèvre nos patients de la ventilation mécanique. Le patient est là réveillé, il est quasiment pas sédaté, ou très légèrement sédaté, il va déclencher. C'est un mode validé en épreuve de ventilation spontanée. La BiPAP, le mode ventilatoire à deux niveaux de pression, on ne sait pas très bien encore quand l'utiliser. Probablement sur les patients hypoxémiques, certains SDRA peut-être. Pendant la phase de sevrage, ventilatoire peut-être également, pareil, un mode intermédiaire entre la VSED et la mode VAC, ou encore un créneau sur la ventilation hyperprotectrice de certains patients qu'on veut ventiler en hyperprotecteur. On cherche encore sa place, il n'y a pas encore de place très clairement établie. Alors, on va maintenant faire un focus sur le mode VAC. Les paramètres, alors ce sont des exemples. Il faut bien garder à l'esprit que ces réglages devront être adaptés en fonction du patient, en fonction de la situation clinique à intenter, mais globalement, on est entre 6 et 8 ml kilo en VAC, avec une fréquence respiratoire adaptée en fonction de la capnie, entre 20 et 30 cycles par minute. Une pause téléinspiratoire de 0 à 0,2 secondes qui permettra de monitorer la pression de plateau, pression d'équilibre. Une pression expiratoire positive, comme vous a dit Jean-Michel précédemment, qui ne doit pas être nulle, en général aux alentours de
au-dessus de 5 cm d'eau, adapté en fonction de la pathologie du patient à discuter avec le médecin en charge. La FiO2, en fonction de votre cible d'oxygénation, en fonction de la SpO2, la SaO2 ou la PaO2 sur laquelle vous vous ciblez. Le trigger respiratoire, il faut toujours le mettre au minimum en débit, 1 litre minute en minimum, plutôt qu'en pression. Le débit inspiratoire, il faut le mettre assez élevé, 60 litres minute, 1 litre seconde, pour que le patient soit confortable. Le I sur E, on part d'une valeur de base de 1 sur 2, à adapter en fonction des pathologies éventuelles du patient. Et le monitorage, deux choses à monitorer. La pause téléinspiratoire de 3 à 5 secondes plusieurs fois par jour pour mesurer la pression de plateau, la pression motrice, si vous faites la pression de plateau moins la pression expiratoire positive, et la pause téléexpiratoire, 3 à 5 secondes plusieurs fois par jour pour vérifier l'auto-PEP de votre patient. Ça, vous le faites vraiment concrètement au lit du patient. Voilà les tracés de courbes spirométriques, débit en fonction du temps, pression, débit en fonction du temps et le TCO2 en fonction du temps. Je vous rappelle comment on fait une pression de plateau. Je le disais, 3 à 5 secondes de pause, vous avez la pression de crête sur le diagramme de gauche. Et pendant la pause, vous avez une pression d'équilibre qui est la pression de plateau. Si vous retranchez la pression expiratoire positive à cette pression de plateau, vous avez la pression motrice. Pour mesurer la pression expiratoire positive intrinsèque, l'auto-PEP, comme on dit, eh bien vous faites une pause téléexpiratoire. Vous allez avoir une pression qui monte un petit peu si le patient a une auto-PEP et qui va se stabiliser. Et vous allez, avec le curseur, prendre la valeur de cette pression expiratoire positive qui sera égale à la pression expiratoire positive totale, la PEP extrinsèque plus la PEP intrinsèque. L'équation du mouvement, je vais passer rapidement puisque Jean-Michel vous en a parlé. Je vous rappelle juste que quand vous mesurez avec un capteur la pression régnant dans les voies aériennes, eh bien cette pression elle est égale à deux types de pression. La pression résistive, qui est proportionnelle à la résistance des voies aériennes. Ça veut dire quoi proportionnelle? Ça veut dire que dès que j'ai une résistance qui augmente, je vais avoir cette pression résistive qui va augmenter. Et la pression élastique, qui est une pression qui est inversement proportionnelle à la compliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une compliance effondrée, ma pression élastique va énormément augmenté. Sur les courbes de mon respirateur, voilà ma pression de pic, ma P-pic, ou ma pression de crête, pression P-max. Cette pression moins la pression de plateau, eh ben c'est la pression résistive. C'est celle-là qui va monter si j'occlue ma sonde d'intubation, si j'ai un bouchon de sonde, si j'ai un pneumothorax, c'est celle-là qui va monter. Si je fais P-plate moins PEP, eh ben ça c'est ma pression élastique, et c'est celle-ci qui va monter si ma compliance thoraco-pulmonaire s'effondre. Donc comme ça, vous pouvez résoudre pas mal de vignettes cliniques. Si ce delta P max moins P plate monte, c'est un problème de voie aérienne. Soit je suis en asthme aigu sévère, en BPCO, j'ai un bronchospasme, ou j'ai une sonde qui est occluse, un problème de filtre qui est occlus. Si c'est cette pression alvéolaire qui monte, eh ben j'ai une compliance de la P plate qui s'effondre, et eh bien ça veut dire que j'ai une compliance thoracopulmonaire qui s'effondre. Soit j'ai une maladie pulmonaire, une fibrose, un SDRA, ou alors j'ai peut-être, je suis peut-être en DV et le patient est obèse et donc peut-être qu'il y a une compression abdominale qui peut éventuellement vous faire monter cette pression-là également. Sur votre respirateur, lorsque vous avez un problème de résistance, vous allez avoir nettement une P max, une P crête qui va augmenter brutalement. Et à ça, je vais me poser des questions. Est-ce que j'ai des problèmes de sécrétion, de filtre, de circuit, de sonde, de bronchospasme? L'OAP, à un certain stade, peut vous donner ça avec une réduction du calibre des bronches. Ou est-ce que j'ai un problème de plèvre, pneumothorax ou épanchement pleural? Lorsque j'ai plutôt cette vignette-là, je pars à gauche d'une vignette, enfin, d'un cas clinique où tout se passe bien. À droite, une augmentation de la P-crête avec une augmentation de la pression de plateau. Là, je vais me poser les questions d'anomalie de parenchyme pulmonaire, SDRA, fibrose, problème de compliance thoraco-pulmonaire ou d'hyperinflation dynamique. Donc je vous propose cet algorithme assez simple qui permet de résoudre pas mal de choses et d'avancer sur vos hypothèses cliniques en cas d'anomalie de ces pressions-là. Ma P-crête est élevée, je regarde ma pression de plateau. Si elle est élevée, eh bien c'est que j'ai un problème de PEP totale que je dois vérifier. Si ma PEP totale est élevée, avec une pression de plateau élevée, une PEP totale élevée, c'est un problème d'hyperinflation dynamique. Si ma pression de plateau est élevée avec une PEP totale normale, là c'est ma compliance qui est effondrée et je recherche les étiologies à compliance effondrée.
Quand ma pression de plateau est normale avec une pécrète élevée, voilà, c'est un problème de résistance. On vient de voir des exemples cliniques. La pression de plateau, Jean-Michel vous en a parlé, c'est inférieur à 30 cm d'eau. La pression motrice doit rester inférieure à 15-16 cm d'eau. La pression de crête en elle-même n'est pas dangereuse, en revanche, lorsqu'elle s'élève de manière importante, il faut vous poser la question de la cause de cette élévation. Et lorsque, même si on dit que la pécrète n'est pas dangereuse pour le patient directement, en tout cas, la cause d'élévation de la pécrète est, elle, potentiellement dangereuse. Il faut toujours essayer de comprendre, quand vous inhibez l'alarme de pécrète, pourquoi ça monte. On avance sur le mode VSAID maintenant. Sur le mode VSAID qu'on a vu tout à l'heure, il y a deux paramètres qui sont très faciles à régler. Il y a la pression consigne. La pression consigne que vous ajoutez, c'est entre 5 et 20 cm d'eau. QSP, votre volume courant, est entre 6 et 8 millilitres/kg. C'est très important de regarder la résultante de volume courant, être sûr que vous n'allez pas produire du barotrauma, du volotrauma ou du biotrauma. La FiO2, la PEP, des valeurs que vous réglez en fonction de votre cible d'oxygénation et de la pathologie de votre patient. Débit inspiratoire, comme en VAC, entre 60, enfin, aux alentours de 60 litres minute, 1 litre seconde. Il y a trois paramètres en VSAID qui sont plus compliqués, plus subtils à régler. La pente, d'abord. La pente, il faut qu'elle soit raide. Plus elle est raide, plus votre patient va être confortable. Et donc, il faut toujours préférer cette pente, en général, extrêmement raide, donc très très importante. Pour certains patients, les patients qui sont restrictifs, alors c'est la minorité de nos patients, c'est des patients qui peuvent avoir des poumons, par exemple, à compliance réduite, des patients qui ont une fibrose pulmonaire, on peut avoir l'usage, enfin, l'utilité d'augmenter un petit peu le temps inspiratoire. À ce moment-là, vous allez diminuer la pente inspiratoire, mais c'est vraiment l'exception. Deuxième paramètre un peu plus difficile à régler, c'est le trigger inspiratoire. On en a parlé, souvenez-vous, soit en pression, soit en débit. Il faut toujours qu'il soit en débit si vous pouvez avoir des respirateurs qui le font en débit. Et donc là, je vous montre des courbes de respirateurs avec des anomalies de type asynchronie. Vous voyez qu'ici, vous avez une courbe qui vous montre que le patient respire. C'est la courbe de pression pleurale ou d'activité diaphragmatique. Ici, le patient respire, mais vous voyez que le ventilateur ne délivre pas de cycle ventilatoire. Donc le trigger n'était pas assez sensible. On a un cycle qui n'est pas déclenché, qui n'est pas récompensé. Ça, c'est ce qu'on appelle une asynchronie et ça peut avoir un impact sur le patient. Si le trigger est trop sensible, je vous en ai parlé tout à l'heure, voilà, c'est le contraire. Alors qu'il n'y a pas d'activité diaphragmatique sur la courbe violette, vous voyez que la courbe rouge et la courbe noire montrent que le respirateur déclenche un cycle qui n'était pas demandé. C'est une anomalie, c'est une asynchronie parce que le trigger était probablement trop sensible. Quand vous voyez ça, il faut vraiment augmenter la, diminuer la sensibilité du trigger. Dernier réglage important, le trigger expiratoire, où là, on va régler la valeur sur laquelle le respirateur va devoir laisser expirer le patient, c'est-à-dire ordonner au respirateur le moment auquel la valve expiratoire va s'ouvrir pour arrêter l'inspiration et permettre de débuter au patient son expiration. La plupart du temps, c'est réglé en fonction du débit inspiratoire maximal. Ça, c'est une courbe de débit pendant la phase inspiratoire et envers la phase expiratoire. En général, on met au départ à 25%. Plus vous allez augmenter cette valeur, plus vous allez vous rapprocher du 100% du débit maximal, plus vous allez diminuer la phase inspiratoire et plus vous allez augmenter le temps expiratoire. Par exemple, chez les patients obstructifs, qui sont par exemple les patients BPCO, et eux, ils ont besoin de plus de temps expiratoire. Donc chez ces patients-là, vous allez être amené à augmenter ce trigger expiratoire pour augmenter leur temps expiratoire. Au contraire, chez les patients restrictifs, eux, ils vont avoir besoin de diminuer le temps expiratoire, avoir une augmentation du temps inspiratoire. Vous allez faire le contraire. Vous allez diminuer ce trigger expiratoire. Vous allez par exemple passer de 25% à 20%, à 15%, à 10%. Et le fait de le diminuer, vous allez raccourcir le temps expiratoire pour allonger le temps inspiratoire. Là aussi, vous pouvez générer des asynchronies. Par exemple, lorsque vous avez ce type de courbe, ça vous signe une ouverture trop tardive de la valve expiratoire, c'est-à-dire qu'alors que le patient est toujours en train d'inspirer, il est déjà en train de vouloir expirer. Donc l'inspiration est trop courte, il a besoin de moins de temps inspiratoire, donc vous allez devoir augmenter le trigger expiratoire afin d'augmenter le temps expiratoire. Lorsque vous avez ce type de courbe, avec ce crochetage
en début d'expiration, ou ce double déclenchement, ça, on a souvent ça chez les patients en VSF parfois, eh bien là, c'est le contraire. C'est qu'en fait, le patient a besoin d'avoir un trigger expiratoire diminué pour réduire le temps expiratoire pour qu'il ait plus de temps pour inspirer. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'asynchronies, d'anomalies des courbes que vous pouvez réguler, contrôler en adaptant les triggers inspiratoires et les paramètres de cyclage. Donc pour résumer, ce qu'on doit régler en mode VSL, ben on l'a vu, c'est le niveau d'aide, la PEP, la FiO2. Et puis le trigger inspiratoire, on va partir de 1 litre minute en débit, le plus sensible, et on adaptera en fonction du patient. Le trigger expiratoire, on va partir de 25%, ajusté en fonction du type de maladie qu'a le patient et en fonction des asynchronies éventuelles. Et puis la pente de pressurisation, on l'a vu, il faut une pente très courte, voire quasiment maximale, pour permettre d'être confortable pour le patient en VSF. Je vais terminer par les spécificités COVID-19. Alors là, c'est difficile de trouver des choses sur les modes ventilatoires avec une corrélation sur la pathologie COVID-19. Néanmoins, premier rappel, c'est que vous connaissez toutes ces circonstances qui sont réputées à risque d'aérosolisation de particules virales. On ne va pas recommencer la première partie de la diapo qui est, sont les procédures, vous les connaissez, c'est par exemple l'intubation ou l'extubation. Ce que j'ai souligné, ce que j'ai mis en gras, c'est certains modes ventilatoires, et notamment en ventilation non invasive, mais c'est aussi le cas des modes ventilatoires en haute fréquence ou les ventilations de type HFO, et bien ces modes ventilatoires peuvent être sujets à générer beaucoup de particules virales. Donc attention, attention à utiliser ces modes ventilatoires avec parcimonie dans cette pathologie-là. Les trois éléments que je voulais rappeler également, c'est que la forme sévère respiratoire correspond en fait le plus souvent à un syndrome de détresse respiratoire aiguë, avec quelques petites nuances sur la compliance, on l'a vu avec Jean-Michel Constantin. Donc là, je laisserai Jules Audard en parler, il nous en parlera à midi. Il y a l'effet pénurie, où la plupart des équipes ont dû ventiler des patients, peut-être avec des ventilateurs offrant moins de possibilités sur les modes un peu sophistiqués. Donc c'est vrai que très souvent, on a utilisé des modes dits basiques, comme la ventilation assistée contrôlée. Et puis l'effet publication, c'est le troisième élément. La recherche est en cours, on n'a pas beaucoup de recul sur des études de cohorte. Et donc là-dessus, on n'a pas tellement de preuves pour dire que certains modes ventilatoires doivent être utilisés plutôt que d'autres dans cette atteinte sévère COVID-19. Le mode de départ, ce qu'on peut dire, c'est ce que j'ai mis en gras, c'est de la ventilation assistée contrôlée ou de la ventilation pression assistée contrôlé. Ensuite, la BiPAP a probablement un rôle. Là, je vous ai dit que ça peut être en sauvetage en cas d'hypoxémie réfractaire chez les patients qui étaient récusés pour des ECMO, par exemple. On a vu certaines équipes tenter ce mode-là pour recruter au maximum les patients. Et puis, si le patient est en phase de sevrage, en cas d'asynchronie sévère, sans possibilité de faire autrement, on peut tester ce mode-là. Et enfin, dans l'algorithme de l'ESIGME, encore une fois, hein, c'est un algorithme qui est franchement inspiré de l'algorithme de gestion du SDRA, et c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment testé en prospectif. Néanmoins, on voit que la place de la ventilation assistée contrôlée, bah, c'est au début, après l'intubation endotrachéale, après la sédation, la curarisation, l'optimisation de la compliance de votre patient, et ensuite vient le mode APRV sur l'endotype à compliance effondrée. C'est-à-dire que là, sur l'algorithme, vous avez la compliance. Est-ce que je suis supérieur à 40 ou pas? Quand j'ai une compliance inférieure à 40, donc compliance altérée ou effondrée, ben là, je peux me poser la question de tester le mode APRV pour voir si je progresse au niveau de la compliance de mon patient ou sur l'oxygénation. Encore une fois, il s'agit vraiment de data qui viennent d'observationnel et de choses très empiriques. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul sur une véritable efficacité de ce mode-là sur ce phénotype de patient. La conclusion pour terminer, vous avez vu qu'il y a énormément on va dire une vingtaine de modes ventilatoires. Finalement, on en utilise très fréquemment 2, 3, 4 à tout casser. Donc, essayez de vous concentrer sur les modes ventilatoires les plus utilisés en réanimation. C'est ça qui compte. Pour s'y retrouver, deux clés de lecture, je vous rappelle, est-ce que je suis en volume, est-ce que je suis en pression, quel est mon degré d'assistance? Avec ça, vous allez résoudre quasiment toutes les équations de quel mode en quel mode je suis, et pour comprendre un petit peu leur nom. La plupart du temps, ventilation assistée contrôlée pour les patients sédatés, beaucoup sédatés, curarisés,
en phase de sevrage ventilatoire. Le mode VSED, le mode de sevrage ventilatoire à actionner le plus tôt possible pour réactionner les muscles de vos patients, qui peuvent être sédatés ou décédatés en VSED. Les réglages cachés, attention au trigger, vous avez vu, le confort de vos patients est impacté par ces réglages, le trigger inspiratoire et le trigger expiratoire. Votre rôle, c'est un rôle qui est vraiment au lit du patient. Vous êtes beaucoup plus présent que nous au lit du patient. Vous êtes beaucoup plus présent devant le respirateur, sur l'analyse des courbes, l'analyse des alarmes. Donc n'hésitez pas à tester toutes ces nouvelles connaissances dès demain au sein de vos services. Analysez ces courbes. N'hésitez pas à interagir avec l'équipe médicale si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qu'on pourrait optimiser.